Changer de coupe, on a tout coupé. Non, là le polo et tout. Quoi, tu polo là? Adam, mais j'ai même coup, tu vois. Canard. Donc voilà, je suis sûr que vous êtes content d'être là. Le vrai temps de Clairefontaine est arrivé enfin. Donc voilà, allez chercher cette victoire en Autriche. Je pense qu'on a bien commencé. Faut pas qu'on brûle notre joker si jamais on arrive à gagner là-bas. Donc ayez ça dans votre tête pour aller gagner là-bas. Ok, tranquillement, avec toute humilité, avec ce qu'on sait faire dans le travail. Mais il faut aller gagner là-bas. C'est le ballon, moi. Non, parce que c'est le ballon. Perds. Non. Ça veut dire que t'as raté là-bas. Regarde ce que tu m'as envoyé. Je m'en suis sorti. Oh, bravo, franchement, bravo. Attention quand même. Hop. Là, il vient pas la chercher. J'ai gagné. Non, ça a gagné de quoi? Quel mort. Il y a 8. Allez. Pas de pisse. Pas de pisse. C'est pour ça que j'ai fait gardien. Ouais, c'est pas pop. Pas de cuisson. Ah non, putain. Oh. J'ai gagné. Tu mettras le point. Le seul point que j'ai mis, tu mettras celui-là. D'accord? Fais un montage. Spécial au niveau de l'émotion, revoir les gars de ma promo, revoir les gars des promos au-dessus aussi, des anciens coachs. Franchement, c'était juste, c'est juste magique. On s'est tous retrouvés, on a fait une petite photo, il n'y avait pas tout le monde en même temps, je pense qu'il y avait au moins 500 anciens pensionnaires, les anciens coachs. J'ai revu mon coach Arsène Wenger, j'ai revu monsieur Aimé Jacquet, j'ai revu monsieur le maire, j'ai revu un peu tout le monde, donc c'était vraiment bien. Je passe bien sûr les coachs de Clairefontaine, monsieur Francisco, monsieur Damiano, enfin bref, c'était vraiment juste extraordinaire. Et maintenant, juste refocus sur cette équipe de France Espoir. Oui. Ce programme maintenant, on décolle demain. On décolle demain, allez dans le froid. Encore une fois, je répète, ça ne va pas être facile. Une équipe vraiment qui se retrouve dans une situation où elle est obligée de gagner. Donc voilà, mais on va tout faire pour pas,
pour pas perdre ce match bien sûr et essayer de continuer sur cette dynamique. Donc voilà. Donc c'est maintenant. On a le droit d'être déçus, ceux qui sont pas là, penser qu'il y en a qui sont pas du tout appelés. Alors on respecte le groupe et on travaille ensemble les mecs. C'est que ça. Le coach vous a donné tout ce qu'on a à savoir. Allez les gars, soldats, les gars, soldats, les gars, direct. Sans le ballon, sans le ballon. Comme ça, ça fait du bien. Rien n'est acquis, rien n'est facile, surtout quand vous portez le coq. Je vous le répète, je vous l'avais dit, ils ont dit que c'était le match de l'année pour eux. Et ils l'ont montré. Nous, malheureusement, on n'a pas été au rendez-vous. On, staff compris. On n'a pas été au rendez-vous. On a la chance de toujours être premier, encore une fois, je répète. Mais maintenant, le joker a été brûlé. Oui, on va pouvoir avoir les trois autres qui viennent à la maison. Mais maintenant, on va commencer à regarder les résultats des autres et compter et voir si, quoi ou pas. Donc, gardez ça bien en tête. Si l'état d'esprit n'est pas là, si l'envie n'est pas là, ça devient automatiquement beaucoup plus difficile. Ça, c'est clair. Maintenant, on a un match lundi. Il faut récupérer. Grosse pensée pour Joe. Je sais que c'est pas facile. On perd le match, on perd Joe. Pas évident, mais pensez bien encore une fois, comprenez bien, ça peut être, je l'espère, un mal pour un bien, parce qu'on s'est vraiment fait bouger. Voilà, donc, prenez votre douche, récupérez bien, et on se voit demain. Grosse désillusion. Ça n'a pas été facile. On a manqué beaucoup de choses par rapport à d'autres matchs. Je pense qu'on n'a pas mis les ingrédients qu'il fallait pour remporter les trois points. Et comme le coach l'a dit en interview, c'est que on a manqué d'envie. On a manqué d'envie. Je pense qu'il faut qu'on se remette en question très rapidement, moi le premier, sur que ce soit les duels. L'envie de marquer, l'envie de défendre. Et c'est ces choses-là qui ont fait que hier on a perdu 2-0. Je pense qu'on doit honorer ce maillot très fièrement.
Et ce qui s'est produit hier ne doit pas se reproduire et il faut tout donner pour gagner lundi et honorer ce maillot. J'espère que c'était une anomalie. Ça peut arriver à tout le monde une fois. De ne pas être présent physiquement, dans l'impact physique. Dans les duels, c'est pareil. Et les gars, vous avez atteint un niveau, le niveau de l'élite et de l'exigence. On peut perdre un match. Ils ont tiré eux sur les poteaux, ils ont gagné tous les deux, ils ont marqué sur corner, ils ont tout pris, c'est fini ça. On ne peut plus descendre, le niveau ne peut plus descendre. Au niveau de l'envie. Je parle au niveau de l'envie. Après, tu joues contre les meilleures équipes. T'as pris un contre à la dernière minute, t'as pris un corner, ok, un. Et toi, t'as tiré, t'as eu des occasions, ok, peut-être. Mais on ne peut plus descendre de niveau. On a brûlé notre joker, mais pas seulement joker, point et l'avantage, mais le joker aussi de ne pas être présent dans les duels. Ça, c'est pas possible. Donc, vous allez jouer contre une équipe, c'est costaud, ça court, ça presse, et ça fait ça tout le match. Donc, ça va être un bon test, moins de 23. C'est pas parce que les mecs ont, il y a des mecs qui ont un nombre plus que vous, pas vous jouez contre des hommes tout le temps. Donc à nous de montrer que c'était une anomalie contre l'Autriche. Et tout le temps, pas seulement contre la Corée, tout le temps, dans le duel. On peut perdre des duels, ça arrive, mais pas comme un enfant encore, je le répète. C'est super important. Donc ce soir, oui, il y a des choses à respecter, mais premièrement, gagnez vos duels. Ok les gars ? Super important, bon match. Peu importe ce qui se passe sur le match, l'état d'esprit, le premier duel, le premier contrôle, la première passe, la première course. Mettez de l'intensité les gars, dans les duels avec le ballon, les prises de balles, les passes, intensité. Intéressant au niveau de l'impact, au niveau de l'envie, au niveau d'aller récupérer la balle, on a récupéré énormément de ballons. C'est beaucoup mieux. Maintenant, faut bien finir. Faut bien finir, on a eu 2-3 occasions. Les occasions, encore une fois, je le répète, où on n'a pas bien terminé. On a voulu jouer long plutôt que jouer court. De temps en temps, sur Marmès à l'intérieur, on avait un 3 contre 2 clair. Avec un joueur qui porte la balle. Mais bon, on continue. Oh!
truc dans le football, ça s'appelle le réalisme. Mais à un moment donné, les gars, le football, c'est les deux surfaces. Tu vas faire toutes les tactiques du monde, c'est les deux surfaces. Et être bon dans les deux surfaces aussi. Alors, en Autriche, on a pris une leçon au niveau de l'engagement. Et là, on a pris une leçon au niveau du réalisme. Même si, encore une fois, je dois dire que le deuxième et le troisième but, dur. Dur à encaisser. Vraiment dur à encaisser. Vraiment. Après, j'ai trouvé qu'on a été bon dans l'engagement. Encore une fois, je le répète, on pressait assez haut, on récupérait les ballons. De temps en temps, oui, bien sûr, ils vont sortir. On arrivait à trouver les gars entre les lignes. On s'est créé des occasions assez franches. Bon, ça peut arriver. Mais si on ne peut pas le gagner, le match, on n'est pas obligé de le perdre. Pensez bien, les gars. Je ne sais pas qui sera là, qui ne sera pas là. Mais pour gagner les JO, c'est surtout pas comme ça. Ça, c'est clair. Même si, encore une fois, je dois vous le dire, au niveau de l'impact, c'était beaucoup mieux. Là, maintenant, les moins de 23 vont commencer.